Good morning, allez, Iden, les tutos aujourd'hui, le Lunishmat Mourir, Bishmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Richa Batrim Nechemia, ainsi que Dirfuat Abraham, Ori Ben Reout, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Zvachim, Perek Vav, Mishnah Bet. Chata Ataov, Aitana Aset, Alkeren Deromit, Ma'aravit. Bechol Makoma Aita Kshira. Et la Zaya Mekoma. ושלושה הדברים הייתה אותה קרן משמשת מלמטה ושלושה מלמעלה. מלמטה חטאת העוף והגשות ושערי הדם. מלמעלה ניסוך המים והיין ועולת העוף כשהיא רבה במזרח. הפרצות עושה את משנה, ושכה מנור בוקוד משניות, ולפרלס סלמון דו חטאת העוף ועולת העוף. ושכה ממנו פרושן פרק, כי אנו קונטינורם פרנה עוקר מטיפה. חטאת העוף ועולת העוף. Littéralement, d'abord un korban khatat. On avait expliqué, il y a le korban ola et korban khatat. Ola, c'est une holocauste qu'on offre entièrement à Hachem. En général, une ola, on n'a pas d'obligation de la porter, on la porte plutôt en tant que, en guise de cadeau qu'on veut faire à Hachem. On sort de Hitlachut. Concrètement, ça vient même parce qu'on veut se faire expier le manque, un manque de mitzvat assez qu'on n'a pas réalisé. Mais il n'y a pas d'obligation. À la différence d'un korban khatat qui vient parce qu'on a transgressé une faute. La Torah nous a dit, lorsque tu feras tshuva sur telle et telle faute, tu dois apporter un korban khatat. Dans certains khataot, la Torah elle laissait la possibilité aux pauvres d'apporter un korban khatat, ou même ola, mais au lieu d'apporter une brebis ou une chèvre, la Torah leur donnait la possibilité d'apporter une volaille. Ça coûte moins cher, bien évidemment. Et de ce fait, donc, ce n'est pas dans tous les korbanot, c'est dans certains korbanot, c'est ce qu'on va appeler la khatat haof et olat haof. La khatat, l'expiation, l'expiatoire, l'expiation, qui vient d'un haof, d'une volaille, d'une tourterelle ou un pigeon, torim oshnebeo benayona, et olat haof, c'est une ola. D'accord? La Mishnah nous enseigne donc, à partir du moment où on va commencer à parler de ces korbanot, longuement, qui a une manière très particulière de les égorger. On ne les égorge pas avec un couteau, mais plutôt avec l'ongle. On aura l'occasion de tout voir, mais en Tachem, ce sera dans les prochaines Mishnayot. Pour le moment, on va s'intéresser à définir dans quel lieu de la Hazara il fallait les faire. On va commencer avec la Khatat Haof. Je vous dis d'abord tout de suite, je vous rappelle un petit rappel à l'oral. On a ici, laissez tomber ça pour le moment, on explique, on parlera de ça ensuite. Pour le moment, je m'intéresse à la Hazara. Pour vous situer, on entre par ici dans le Kodesh, dans le Bet HaMikdash. On monte, il y a des escaliers, c'était dénivelé, d'accord. On arrive ici dans la Ezrat Israël, Ezrat HaKohanim, il y a là-bas le Mizbeach, après on continue à rentrer dans le Echal, dans le Kodesh HaKodashim, et ainsi de suite. On avance toujours en direction de l'ouest. Ok. Et donc, on avait dans la partie nord, c'est la partie de droite. Alors là, on faisait tous les korbanés, les korbanot, sacrifices qui étaient Kodesh HaKodashim, les super kadosh, il fallait les égorger spécialement ici. Et comme la Torah nous dit, Veshachat Toto Alirech, Amisbeach, Tsafona, Lifnei, Hashem. Au Tsafon, on appelle ça d'ailleurs le Yerech, la cuisse, parce que dans la mesure où on monte sur le Misbeach d'ici, alors on considère que ça c'est le Panim, la face, donc ça c'est donc quelque part l'arrière du Misbeach. Ok? En tout cas, donc on avait les Kodesh Kadashim, les super Kadosh, les Korbanot super Kadosh qu'on devait égorger ici, les Shlamim, et tous les korbanot, kodashim kalim, on pouvait les faire dans toute la Hazara et même aussi dans la partie sud. Et maintenant, la Mishnah nous enseigne comme ça, khatat haof, le khatat haof, l'expiation qu'on faisait avec une volaille, haita naaset al keren dromit ma'aravit. Elle était réalisée dans le coin dromit ma'aravit, sud-ouest. Sud-ouest, d'accord? Sud-ouest, ce que je vous ai fait ici, c'est que je vous ai dessiné ce coin, j'ai pris une vue de ce côté en fait, que j'ai pris ici. En fait là on a changé d'angle de vue, d'accord? On expliquera ensuite dans quelques secondes. En tout cas, elle était faite, c'est de quoi qu'elle était faite? C'est qu'on lui faisait la, si on peut dire la shrita, en fait c'est la melika que ça s'appelle. On la battait dans ce coin là au sud-ouest. Ok? Et la Mishnah continue à me dire, Bechol makom haitakshera. Sache qu'en réalité, la shrita, melika, l'abattage, tu pouvais le réaliser dans toute la Hazara. Tu n'avais pas d'obligation de rester ici spécifiquement. Cependant, et là, Zehaya Mekoma. Malgré tout, c'était là-bas qu'on avait l'usage de le faire. En réalité, il y a une raison plus profonde. C'est que certes, on pouvait l'abattre là où on voulait, mais pour asperger le sang du khatat,
Alors il fallait nécessairement se mettre dans ce coin. C'est déduit des Menachot. Les Hagasha, la Hagasha des Menachot. On expliquera exactement quand on devait offrir une oblation de blé ou de pain. D'accord, il fallait, quand on apportait la Mincha, l'oblation, on devait d'abord lui faire la Hagasha, la présenter devant le Mizbeach. Et la Torah, elle a dit El Penei a Mizbeach Lifnei Hashem. C'est un pasuk qui nous est rapporté dans le Barthénois. Akrev ota ben Aaron Lifnei Hashem El Penei a Mizbeach. Lorsqu'on parle de la Mincha, Vaikrahe, pasuk Vav, le Barthénois rapporte Akrev ota ben Aaron Lifnei Hashem El Penei a Mizbeach. Devant Hashem et sur la face du Mizbeach. Alors je vous ai dit, ça c'est la partie face, le Darom, puisqu'on monte par là. Donc c'est là quelque part la tête du Mizbeach par rapport à l'arrière du Mizbeach. Donc là, quand je te dis El Penei a Mizbeach sur la face, du côté face du Mizbeach, donc je veux te dire que tu vas à l'ouest. Et lorsque je te dis Lifnei Hashem, devant Hashem, je vous ai dit qu'ici il y a le Kodesh HaKodashim. Donc là, quelque part, la Shrina elle est plus forte, plus installée. De ce fait, lorsque je te dis devant Hashem, devant le Mizbeach, donc je te dis ou à l'ouest et au sud. Donc de ce fait, ça fait sud-ouest. Ça, c'est pour la mincha. Et on déduit de la mincha, avec une certaine déduction, ça va porter dans le Barthénora, que la chatat, elle s'appelle aussi une mincha dans certains endroits, le olataof, chatataof. De ce fait, on déduit aussi que la chatataof, il fallait la faire là-bas. Mais ça veut dire quoi, la faire là-bas? Pas lui la battre. Il fallait l'asperger là-bas. On apprendra comment on fait l'aspersion du corban chatat, on lui fait sauter la tête et on asperge avec du cou directement du chatat. On en parlera dans les prochaines mishnah, dans le mishnah des lettres. Ok? Donc je reprends, on fait ça dans les mots. Chatataof haitana aset al keren mizrein dromit maharavit. La chatataof, l'expiation avec la volaille, la tourterelle, le pigeon, elle était réalisée dans le coin dromit maharavit, sud-ouest. Bechol makom haita kshira. Mais en réalité, de partout, si tu voulais, tu pouvais la battre. Tu pouvais même te mettre ici, la battre, et après partir de ce côté-là pour l'asperger. Bechol makom haita kshira. Mais seulement, elle a zehaya mekoma. L'usage, il était de la faire là-bas, de manière à ce qu'on va pouvoir l'asperger directement sur le coin. Regardez, ce coin maintenant, je vous explique, je vais maintenant passer on va changer d'angle. Je vous ai dit, regardez, ça c'est la vue de haut du Mizbeach, avec le Kevesh, la rampe pour monter. On va parler de ces rampes dans quelques secondes que l'on voit. J'ai juste fait ce que j'ai fait ici, c'est que je me suis mis de ce côté, j'ai pris une photo. Donc ça m'a fait ça, regardez là, c'est le coin sud-ouest. Ok ? C'est le coin sud-ouest. En fait, donc on a si vous voulez, on a le Kodesh HaKodeshim de ce côté-là, là on a le sud, là, de l'autre côté on a l'est en fait, d'accord? J'ai retourné la vue, l'angle de vue, ça va nous aider pour tout de suite. Ushlosha devarim haita ota hakeren meshameshet milemata. Ce coin-là, ushlosha milemata. Ushlosha milemata, et trois en bas, trois en haut. Et trois choses, ce coin, ushlosha devarim, trois choses, haita ota keren, ce coin-là, avait l'habitude d'être méchamèche. On avait l'habitude de faire des rituels. Trois choses qu'on avait l'habitude de faire. Trois rituels qu'on avait l'habitude de faire. Milemata, en bas. Et trois choses, milemala. Et trois choses en haut. C'est-à-dire la Mishnah, maintenant, va nous citer parmi tous les différents services que l'on pouvait faire au Beit HaMikdash. Des fois apporter des korbanot, des animaux, des fruits, parfois même pour les bikurim et tout ça. Il y avait plein de choses qu'on pouvait faire. La Mishnah va me dire, sache que dans ce coin-là, 6 mitzvot particulières. 3 en bas, 3 en haut. Et je m'explique tout de suite, c'est quoi 3 en bas, 3 en haut. Je reviens d'abord sur la vue d'en haut, d'abord pour vous expliquer c'est quoi qu'on voit. Ça, c'était un petit kevesh. C'était une rampe. De la rampe sortait une autre rampe pour s'arrêter au niveau, vous vous rappelez, on avait expliqué qu'il y avait une ama ici, et là, 5 amas qui montaient. Donc ça veut dire là, on se retrouvait à la Hama 6, à 3 mètres de hauteur. Il y avait une rampe qui sortait, une bretelle qui sortait de la grande rampe. La grande rampe, le Kevesh, pour monter sur le Mizbeach, il arrivait jusqu'à tout en haut. Mais il y avait, à la hauteur de 6 amas, alors la possibilité de bifurquer et de prendre à gauche pour partir au coin, ici, parce qu'il y avait certaines avodotes qui étaient réalisées dans ce coin-là du Mizbeach. Comme ce que la Mishnah va nous expliquer. 3 en haut, et il y avait, regardez, une autre rampe aussi. C'était pour celui qui redescendait du Mizbeach. Alors, lorsqu'il redescendait du Mizbeach, il avait la possibilité de tourner sur sa droite
et de redescendre et de se retrouver directement dans ce coin-là. C'est ce que j'ai fait ici, la petite rampe, je sais pas si vous la voyez, on la voit pas tellement bien. Elle est vue de haut et elle arrive par terre. Et là, quand on la voit de côté, on la voit beaucoup mieux. Donc, la Mishnah va m'enseigner. Sache qu'il y avait trois mitzvot qu'on faisait en haut, trois mitzvot qui étaient en bas. On les lit, on traduit, puis après on explique un peu mieux. Alors, Milemata, en bas, on avait l'habitude, donc, dans ce coin, sud-ouest, on avait l'habitude de faire trois mitzvot en bas, qui étaient Chatataof, Veha Agashot, Ushiyare Adam. Chatataof, c'est ce qu'on a expliqué, le korban Chatat, qui vient lorsqu'on le fait avec une volaille. On reste en bas, on fait la Melika, et on l'asperge ici directement. Ok ? Je crois qu'on asperge. Oui, il faut asperger. D'accord ? On asperge, puis après on fait couler tout le reste du sang. Tout le reste du sang sur le yesod, sur le socle. Ensuite, Veha Agashot. Alors, les Hagashot, c'est ce qu'on expliquait. Lorsqu'on a une mincha, on les présente. Les Hagish, c'est présenté. On reçoit des invités, on est Magish le repas. On leur présente le repas, on leur sert le repas. La même chose lorsqu'on apporte une mincha, alors le Kohen devait la prendre et la porter devant le Misbéar, de manière à ce qu'il la présente quelque part au Misbéar. Il devait le faire dans ce coin-là. Et Ushiyare Adam, et les restes du sang. Et de quoi on parle lorsqu'on parle des restes du sang? C'est simple. De nouveau. C'est les restes du sang, non, j'ai un doute, c'est sur qui précisément? Chez le Chataot, c'est ça. Spécialement des Chataot. Grande règle, on tourne toujours à droite dans au Beth Amikdash, quasiment toujours. De ce fait, je me reviens sur la vue d'en haut. Lorsque je monte avec le Chatat, avec le sang du Korban Chatat, vous vous rappelez le Korban Chatat qu'on avait pris dans le péric précédent? Il fallait le prendre, aller le mettre son sang sur les Karnot Amisbeach, sur les quatre coins. Donc, le Kohen arrive, il monte avec le sang, il bifurque à droite, et il va ici. Et s'il se met la face au Misbéar, donc sa droite va le pousser à continuer ici. C'est pour ça qu'il fait le tour, on fera toujours le tour comme ça. De manière à ce que, toujours lorsqu'il va marcher, lorsqu'il va mettre sa face vers le Misbéar, il devrait continuer à tourner à droite. Comme ce qu'on a l'habitude de faire quand on sort le Sefer Torah d'ailleurs, et qu'on la porte sur le Echal, on va toujours aussi sur la droite du Echal, c'est-à-dire si on se mettait face au... sur la droite de la Bima, là on pose le Sefer Torah. Si on met notre face à la Bima, on verra qu'on marche toujours en direction de la droite, on tourne toujours dans ce sens-là. D'accord? Et c'est en souvenir que la Bima représente le Misbéar. Donc on prend à droite, on prend à droite, on prend à droite, et regardez de nouveau. Donc il arrive ici, maintenant il reprend la petite bretelle, il redescend maintenant sur le Kevesh, et là, il doit finir de vider. Il avait un récipient, il y avait dedans tout le sang. À chaque coin, il a donné un petit coup de sang sur les quatre coins du Misbéar, les Karnot à Misbéar. Lorsqu'il redescend, il lui reste maintenant, dans l'ustensile, beaucoup de sang. Qu'est-ce qu'il fait? Il redescend du Kevesh, et là, il prend cette petite rampe du haut, cette bretelle du haut, il redescend sur la rampe, et là, il va prendre la petite bretelle à droite, pour arriver le plus vite au Misbéar, au socle du Misbéar, pour verser ici le reste du sang qu'il a. D'accord? C'est ce qu'on appelle les Shiyare Adam, les restes de sang. Milemaala, et maintenant on revient sur ce fameux coin sud-ouest, Ma'ara Midromit. Alors, on a donné les trois mitzvot qu'il fallait faire en bas, qui sont les Chatataof, Agashot et Shiyare Adam. Maintenant, sur le coin en haut, il fallait aussi faire. Il y avait trois mitzvot qu'on a l'habitude de faire, qui sont Milemala, Nisuch Hamayim, Vehayayin, Veolataof, Ksheiraba, Bamizrach. On a fait les trois parce qu'il y a Nisuch Hamayim, Vehayayin, Veolataof, Ksheiraba, Bamizrach. Alors, méthodiquement, je commence d'abord par la Olataof, ce sera plus facile. Olataof, la Olataof, on en parlera dans la prochaine Mishnayot, le Korban Ola, qu'on fait avec une volaille. Cette fois-ci, lui, la mitzvah, c'était de l'égorger, de l'abattre en haut du Misbéar. Donc, c'est le seul korban d'ailleurs qu'on a batté là-haut. Il fallait monter avec la hola en haut. On bifurquait ici sur la droite. Ouais. J'ai un doute. On verra. D'accord. En tout cas, elle était faite ici dans ce coin-là. J'ai un doute. Est-ce qu'il fallait bifurquer sur la droite ou est-ce qu'il fallait monter sur le Misbéar qu'elle a fait en haut? Je crois qu'il fallait bifurquer sur la droite. Et donc, on la faisait ici. On la battait. On versait le sang. On apprendra comment est-ce qu'on fait dans tous les détails exactement. Mais il fallait la faire spécialement ici, dans ce deuxième coin qui était sud-est, cette fois-ci. Il arrivait parfois où il y avait des embouteillages, il y avait beaucoup de Olataof qui étaient venus ce jour-là. Alors la Mishnah m'enseigne, ben, sache que s'il y a trop de monde ici, tu vas de l'autre côté. Donc, de ce fait, c'est ce que la Mishnah me dit à la fin de la Mishnah, Olataof ksheiraba bamizrach, la Olataof, l'holocauste qu'on faisait avec la volaille,
Alors, lorsqu'il y en avait, chez Irabab, à Mizar, qu'il y en avait trop à l'est, alors on portait l'affaire à l'ouest. D'accord ? Maintenant, c'est quoi Nisuch Hamaim Vayayin ? Alors, c'est littéralement, c'est que l'on verse, c'est une sorte d'oblation, on verse de l'eau et du vin. Tout d'abord, lorsqu'on lit le Korban de Rosh Chodesh, Veniskehen, Chatziyahin, Urviyitahin, Yelahil, d'accord, là-bas, on dit là-bas, on apporte un Nisuch Hamaim. En plus du Korban que l'on offre, hey, tu m'amènes de la bonne viande, amène-moi aussi du bon vin quelque part, c'est un peu l'idée. Donc, tu as apporté un korban en apportant de la viande, il faut aussi apporter une oblation de vin. À Soukot spécifiquement, il y avait tout un rituel très beau, où tout le monde chantait, dansait pendant toute la nuit, jusqu'à qu'on apportait au petit matin, on apportait, en plus de ça, un Nisuch Hamaim, on versait de l'eau sur le misbéach. C'était où? Alors, je ne sais pas si vous allez voir dans la vidéo là, mais j'essaie de faire deux petits points bleus ici. C'était là-bas, il y avait ce qu'on appelait les chitines, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Le mot m'échappe une seconde. Il y a un chauffeur, il y a un Nisuch Hamaim, Bragasukot, Vayain. Ayo Chitine, exactement. Voilà, Jean Lanser. Il y avait ici là-bas deux verres. Deux sortes de verres qui étaient perforés jusque tout en bas. Ça arrivait par l'intérieur, donc il y avait une sorte de tuyau en fait qui allait jusqu'en bas, où on pouvait verser. Dans l'un, on versait du sang. On versait du vin à chaque korban que l'on faisait. D'accord ? Comme ce que la Torah nous a dit de le faire, comme ce qu'on a au Jrodesh, selon si on apporte un taureau, un bélier, un mouton, et des halachot spéciales, des quantités spéciales de sang versé. Et une fois par an, c'est-à-dire à Soukot, pendant 3 jours, pendant à Soukot même, ça arrivait tout. D'accord ? En tout cas, il fallait verser en plus de ça de l'eau. Et là, on avait donc deux trous ici, qui étaient reliés au chitin. D'accord ? C'était là où on versait, donc c'est ce que la Mishnah nous dit. Nisuch Hamaim, lorsque l'on versait l'eau et l'on versait le yaïn et le vin, ils étaient versés en haut dans ce coin-là. Regardez ici, je ne sais pas si vous n'allez pas réussir à le voir dans la vidéo, je suppose. J'essaie de représenter de nouveau qu'il y avait ici le petit point bleu. Si on le voit de côté, on le voit. Ok ? On a fini la Mishnah. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.